orange et rose, orange et rose. Il y a un S ou il n'y a pas de S? Et dis donc, comment on écrit les adjectifs de couleur? Ça dépend de quelle couleur on parle. Des yeux marrons, il n'y a pas d'S parce que c'est un fruit. Alors que des yeux bleus, il y a un S. Des pommes vertes, orange, oui, mais pas des fruits vert pommes, puisqu'il y a complément. Et des chemises rouges et gris, oui, et ça dépend de quelle chemise on parle. Ouais, mais là, franchement, je... C'est pas clair? Ah non, pas vraiment. Bon, on reprend calmement. Les adjectifs de couleur s'accordent en général. Mais si l'adjectif vient d'un nom commun ou d'un nom propre, il ne s'accorde pas. Avec le temps, certains adjectifs issus de noms communs sont devenus complètement des adjectifs de couleur. Ceux-là, on les accorde. Quand la couleur est composée, elle ne s'accorde pas. Et attention, des chaussettes bleues et rouges, avec un S si elles sont soit bleues soit rouges, et pas de S si elles sont bicolores bleues et rouges. Ah, donc mes chaussettes orange et rose, on met pas de S. C'est pas si compliqué.